Salut à vous, je voulais enregistrer quelque chose d'assez cool. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un téléphone. Sur ce téléphone, en fait, je peux envoyer un message ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le message est envoyé à ce serveur. Et en fait, ce serveur ici, sur lequel on envoie le message, en fait, il est connecté à ce PC. Et en fait, ce PC, c'est en fait un ordinateur Shadow. Vous voyez ici, c'est un ordinateur Shadow. Et en fait, l'idée, c'est que le message est envoyé ici, comme vous pouvez voir, sur le message, sur le Shadow. Et une fois qu'il arrive sur le client, il est redirigé vers de l'UDP. C'est ça que vous avez un script Python qui fait de l'UDP. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? J'envoie l'UDP, pouf, ici sur celui-ci. Celui-ci, il a une connexion RSA, donc c'est-à-dire une connexion qui est sécurisée avec le client. Donc, en fait, ça, c'est un client qui est connecté à ce serveur, parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir les ports sur Shadow et sur Google Cloud, on ne peut pas ouvrir les ports. Et c'est ça que j'essaie de faire, c'est de pouvoir travailler malgré le fait qu'on ne peut pas ouvrir les ports. Et vu qu'on ne peut pas ouvrir les ports, je fais un client qui va se connecter sur ce serveur. Et pour être sûr qu'on ne me hack pas, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que le serveur tourne, le client envoie hello, le serveur fait ah, salut, bonjour, il envoie une clé à lui, il reçoit la clé et il la signe avec sa clé RSA. Une fois qu'il a signé avec la clé RSA, il renvoie ça là-bas, lui dit hey, mais c'est bon, en fait, t'es la bonne personne, je t'ai autorisé à venir, et donc lui, il renvoie un message, c'est bon, t'es vérifié, tu peux m'envoyer des messages et je peux t'envoyer des messages. À partir de ce moment-là, en fait, on peut envoyer des messages UDP sur lui, qui sont envoyés sur lui, et lui, il renvoie vers la personne, vers le port UDP demandé, ou vers un broadcast d'une bande UDP. Et c'est ça que vous voyez ici. Donc ici, quand je fais ça, pouf, ici, ça envoie lui, lui, il envoie lui, il envoie lui, et lui, il fait une action. Et voilà. Je trouve ça trop cool de montrer ça parce que en fait. J'essaie de faire un serveur multijoueur sur cloud, sur des ordinateurs cloud. Et donc faire une connexion RSA entre serveur et client sur les clouds, c'était ce qu'il me fallait. Donc voilà, c'était un petit post-mortem de ce que j'ai à te faire là. J'étais trop content et ça marchait trop bien. Donc je trouvais l'occasion unique et il fallait enregistrer parce qu'il y a plein d'ordinateurs, plein de consoles et tout. C'est pas tout le temps qu'on a ça autour de nous. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, quelque chose que je compte avec vous, et à la prochaine.